était toujours en concurrence. Le général Carrington l'a débauché. Ensuite, plus de nouvelles. L'homme dont j'ai pris l'identité. Tu peux fuir, tu peux croire, tu n'as qu'à fermer les yeux pour mieux me voir. Je suis...
trop de chili. Tu dors dans quelle tente déjà? La tienne. Je vais le tuer, ce cuistot. Qu'il utilisait pendant la guerre du Golfe. Ça devrait te donner une idée de la couleur. Est-ce que vous me recevez?
Affirmatif. Numéro 3, parlez le premier. Bonsoir, numéro 1. Le président Galbraith croit toujours à la simulation d'un état de guerre. Et il vient d'autoriser les Spads à encadrer l'armée pendant les grandes manœuvres. À vous. Bien. Numéro 5. De mon côté, j'attends la liste des soutiens financiers de la Cour. Numéro 9 me la remettra au Plaza demain. À vous. Numéro 11. Les chargements d'armes arriveront à destination ce soir. Et mes hommes sont impatients de servir la cause. À vous. Parfait. Les nouvelles du numéro 13. J'ai ici son dossier militaire. Je l'ai fait disparaître du Patagone afin de bloquer l'enquête du FBI. Bien. Pour ce qui est du numéro 17, inutile de continuer les recherches. J'ai quelque chose ici qu'il va forcément venir réclamer. La réunion est terminée, messieurs. Bonsoir. Je vous raccompagne. Ce fut un privilège de vous rencontrer, colonel McCall. Il est encore plus impatient que ses hommes, n'est-ce pas, colonel? On ne peut rien vous cacher, général. C'est dans la boîte. Récupère le dossier Roland si tu veux prouver ton innocence. Je ne sais pas où Mako l'a prévu d'envoyer son stock d'armes, mais on va le faire sauter.